il faut commencer par affiner le diagnostic, déjà comprendre comment la coulée de boue a progressé lentement jusqu'à la voie ferrée, et donc examiner son cheminement dans le versant, examiner s'il y a aujourd'hui des risques de récidive. Donc pour ça, on va faire des survols par drone, par hélicoptère. On n'est pas sur de la boue, on est sur une coulée de lave torrentielle, donc un matériau très fin qui pour l'instant est relativement meuble et qui, plus les jours vont passer, va commencer à durcir. Donc il y a un peu une course contre le temps également.